arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Yo, petit peu, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Concept. Juste faire un top 3 des decks les plus skill pour moi du jeu actuellement sur Clash Royale. De quoi faire 2 games en défi classique. Vous montrer le principe du deck. Et on va tout simplement commencer avec un petit cochon roquette, les gars. Du 7, j'aurais pu mettre le 2.6, mais je vais mettre ce deck qui n'est pas très connu. Un deck très skill. Comme vous voyez, il n'y a pas de grosse défense. C'est moins une princesse pour l'aérien, des chauves-souris, c'est assez compliqué. Bref, un deck que j'entraîne pour la compète, de quoi tout de suite partir dans cette première game. Parti contre Ad. Et très bien. Un petit cochon, tranquillement. Et un petit bourreau, très bien. Et parfait, on a les chauves-souris ici pour la défendre. Oh, je pense que juste le mini PK. Pas princesse plus squelette. À la limite, mettre un petit coin de glace pour vendre pas trop cher. Un petit cochon pour vraiment pas vendre cher. Bah, vous voyez qu'une défense, c'est facile. Mais un petit, une petite forêt, qu'on va être simplement mini PK. Hop. PK. Ok, ma chasseur. Chasseur. Chauve-souris. Hop. Il est simplement plutôt droite, donc ça c'est pas trop mal. Ok. Bon, on va mettre une petite pince à ce pont, je pense. Histoire de. Bon, nickel. Passe un petit bourreau, c'est. Et là, on va mettre une petite roquette. Parce qu'elle peut pas prendre de dégâts. C'est plus simple, vous voyez. Défend très bien le deck en lui-même, se complète assez bien. Pas trop comme ça d'apparence, mais le deck est vraiment fort, les gars, je vous promets. Partir cochon derrière. Hop. D2, très bien. Bon, mettre le petit. Je pense que la princesse va l'oublier. Et juste une petite chauve. Petite chauve. Tranquillou. Chauve. Ok, chevalier d'or, très bien, mettre une petite princesse ici. Une PK, très bien, c'est Simiga, ce sera une bonne roquette, on la met. Hop. Parfait. Shot du temps, on va faire peut-être. Je savais qu'il allait le mettre. Bon, je savais qu'il allait le mettre là, mais je pouvais pas le free shot. Le plus près, je disais qu'une roquette, mais malheureusement, je pouvais pas. Petite princesse ici. Ok, intéressant. Gun de glace. Une PK à chauffe. On a pris 0 dégâts. Vous voyez que le mec. Bon, après, je pense que le mec, c'est pas un monstre non plus. Il y en a encore une roquette value. Vous voulez la prendre. Si une caisse, c'est incroyable. Oh là là. Donc, je mets des roquettes, moi, depuis tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Sont insane. Voilà, on va se faire 2 games par deck quand on fait un petit top 3. Alors, malheureusement, moi, Loof a sorti une vidéo aujourd'hui à laquelle heure je tourne. Ouais. Et je tourne, j'avais le concept. J'avais le concept dans ma tête, donc. Je l'ai. Juste comme ça. C'est soit pas du recopiage, c'est genre vraiment juste. Yes, voilà, bref. Ok, pas grave ici. Ok, petite princesse en fond du terrain. Kill. Seconde glace ici pour tourner. Mettre un mini PK en plus. Mini PK qui va aller déglinguer le MK. Et ça, c'est pas. On peut aller faire cette petite chauve-souris ici tranquillement. Le Valkyrie, c'est parfait. Bon, les chauves-souris vont faire le taf. Qui m'en bûche. Ça, je vais faire ça avec un petit cochon ici, j'aurais pu le mettre là, mais bon, c'est pas très grave. Il fait un gobelin, il a fait un mec de squelette.
Donc on est une petite princesse, je pense. Ça peut faire une pression posée, ça peut être pas mal. Ok, bon. Attends de voir ce qu'il fait. Puis ça bûche en rotation, ok. Bon, là. Hop. Là, réactif, faut pas que notre princesse meure. C'est important d'être réactif avec ce genre de deck. Tout le deck que je pense dans cette vidéo, il faut être réactif. Ok. Ça peut être mini PK. Il y a des petites chevilles sur le fond du terrain tranquillement. Il y a des chevaliers dans la bonne classe pour être. Ok, là, je vous le dis, on est vraiment très très bien. Très bien. C'est un petit cauchemar sur notre smog chevalier, je suppose. Alors, maintenant. Ok, on a toujours une princesse opposée de là, mais qui l'attaque. On fait ton smog chevalier. Là qui sort du rage, hop, on peut mettre un petit PK ici tranquille, on peut défoncer le méga chevalier. Et voilà, là il a sûrement sa Valkyrie dans son cycle. Ok, si on met la Valkyrie, je pense. Il a rage quitte. C'est une possibilité comme l'autre. Vous voyez les gars, je fais exprès de faire un défi classique pour vous montrer qu'il faut bien s'entraîner en défi classique. Et voilà. Bon, la suite de la game n'est pas intéressante, on se retrouve sur le prochain deck. Ok les gars, c'est parti, donc le deuxième truc c'est l'Arkix. Bon, l'Arkix le 2.9 les gars, à l'ancienne avec les Mantri qui le jouaient pour ceux qui le connaissaient. Donc un Arkix, maintenant on a la version Valkyrie Chevalier avec la reine, on a la version Tornado exercice classe et tout. Bref, nous on prend la version la plus skill on a dit, donc l'Arkix le plus skill, c'est je pense le deck, un des decks le plus skill du jeu du moins. Il est extrêmement cancer, on est bien d'accord sur ça. Je suis le premier quand je le vois à péter un câble, mais il est très très skill, vous allez voir. Ok, c'est parti, on part qui sur le fond du... Alors qui se pond. Ok. Des trucs glaces ici, tranquillement. Il y avait les archers, et voilà, ça commence déjà. En espérant qu'il n'y a pas pré-shot le zap. Ok, c'est bon, bonne défense ici. Ok, on va attendre que ça connecte. Je vais pas plus défendre que ça. Ça fait mal, ça fait mal. Vous voyez, les gars, une erreur et je me fais directement déclinquer. Une catastrophe. C'est clairement une catastrophe. On va aller faire tourner ce méga chevalier. Non. J'ai mis les archers, je vais pas mettre les archers, c'est pas grave. Vous voyez qu'une défense ça reste quand même basique. Hein. C'est très compliqué, vous voyez que je pense que beaucoup de personnes auraient perdu leur tour ici. Okay, le mec il a mis MK plus Zappy, ça panique, ça met des troupes un peu partout et tout. Regardez son calme, c'est important. Hop. Tac. Petit connu là, ici. Et là je pense qu'on va pas pouvoir faire le kick. Ouais, je la voleuse est énervée quand même. Hein. La voleuse est quand même sacrément énervée. Bon, là, on va partir. Arki. Attention, ce méga chevalier, je me disais que le Toku est quelque chose. Ouais, il y a ce méga logique. Ok, ouais. Hop, changement d'aggro. Hop, parfait. Qu'est-ce qu'il prend? C'est parti. Laisse-le au pont. On va mettre un deuxième Arkix. Pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Comme de glace pour tanker si ma méga chevalier ou autre chose. Archer squelette. Les gars ont bourrine. Hein. Parfait, on peut les mettre plusieurs archers. Et voilà comment gagner une game à l'Arkix 2.9 qui était quand même assez compliqué, on va pas se le cacher. En fait faut pas paniquer dans les moments où le mec il voit MK sa pizza, faut pas paniquer parce que un mauvais placement, et je vous le dis ça part direct tac au tax.
Voilà, c'est une petite deuxième game avec... contre Yvan. Une petite Yvan. On va l'éclater. On tire un gomme de glace, on va battre. Ok, très bien. Ouais, une joueur Kix aussi. C'est plaisir ça, joueur Kix. Et là, il défend comment là? Et oui. Et oui, Jamy. Comment défendre un Arkix? Ah, je joue pas vraiment Arkix. D'accord. Je me suis dit, ok, cool, il joue la même version que moi. Pas du tout. Ok, parfait. Arkix, il a bien gratté, c'est pas trop mal. Bien faire son bûcheron tranquillement. Hop. Voilà, pour l'instant, on est sur la simplicité. Arkix recrue, c'est original. Voilà le bon côté des choses, c'est original. Ok. Hein? Écoutez, je pense qu'on va partir à Arkix. Oh la même reine, ça c'est relou ça. Ça c'est relou la reine. Et voilà. Petite défense au KLM. Ne pas paniquer, toujours ne pas paniquer. La boule de feu, les gars, on se sert que pour sa kill quasiment. Hein. Par contre, c'est une défense boule de feu. Ok, on peut y mettre un petit archique, je pense, ici. Peut-être forcer une petite air clic, ça peut être pas mal. Un élixir. Je crois qu'il se quand même. Je pense pas. Ok, on peut la mettre un petit air clic ici. Tranquille. Il y a un gun de glace ici pour tanker. Un peu les petites préchettes comme un lance, ouais, c'est ce que je voulais. J'avais call, les gars, je l'avais call. Là, on va simplement aller prendre cette tour. Ça, c'est le placement de l'Arkix défensif, les gars. La Tesla, ici. Ensuite, vous pouvez kite comme vous voulez. Là, vous voyez qu'on a plein de bâtiments. Et voilà, là, il vous dit pour le plan strictement impossible qu'il passe. Essayez de faire ça comme il veut, il ne passera pas. C'est GG les gars, et vous voyez que c'est assez facile. Allez, on se retrouve pour le prochain deck. Et là, on va se retrouver pour le petit lockbait. Oula, il manque une carte là, attendez. Montre la pensée. Pour moi. Le petit lockbait classique, le plus classico des classicos. Lockbait, encore une fois, c'est un deck très skill qui est très très cancer. Pas tout ce qui est skill et cancer, et tout ce qui est no skill et cancer aussi. Juste que ça c'est skill et. C'est pas vraiment. C'est un petit fugue ici tranquillement. Il y a une bonne bûche de sa part. Et un petit gang de gobelins en pont tranquillement. Et là pour taper le terrain. Ok. Oh les gars, ça fait plaisir la petite roquette, les gars. On va pas se les cacher. Elle fait plaisir. Il y en a T2. Oh là là, là, on va carré. Alors, d'habitude, ça c'est le placement d'esprit pour toucher toutes les chauves. Là, il n'y a plus de bûche. Donc, s'il n'y a plus de bûche, les gars, qui dit plus de bûche, on a fait comme un gratos. Du coup, on met le chevalier au pont. Et au long, puisqu'on sait qu'il n'y a plus de bûche, il va galérer à défendre. Alors, ça, c'est sans compter qu'il n'y ait pas d'armes squelettes, ça. Ok. Les bonnes. Je pense. Ok. Avec mes deux gobelins en pont. Et une petite princesse en pont. Est-ce qu'il va bûcher? Ok. Est-ce qu'il a dit bûche ici? Ouais, je pense que le chevalier fond de
Non. Brain. Regardez les gars, là, je vais mettre une petite idée au point, ça va le surprendre. Comme ça, il va pas avoir le temps de pré-shot. Voilà, c'est ce que je pensais. Il a pas le temps de pré-shot. Vu qu'on était plus rapide que lui, il a pas coûté une petite pression ici, parce qu'on a quasiment pris la tour. C'est pas mal. Un peu une petite pression trop grande, ça peut pas. On est pas lié tout ça. Ok, enfin, ça pique. Très bien. On va défendre assez aisément. C'est donc ça le spam. Et genre littéralement mis 0 dégâts. Oh hard, intéressant. On est up. Tac. C'est la panique. Garde ta roquette ensuite, parce que si tu as ta roquette, t'es dans une sacrée sauce. Voilà, petite free game dans le plus grand de tous les games. Et on va passer ce dernier game de cette vidéo. Montakoma 5000. Et qu'on se fait une petite tour dans l'enfer tranquillement. Yes. Oh. 2.6 qu'on le pète, il a un gros match-up normalement. Il est censé nous détruire, nous foudroyer. C'est ce qui fait génial, c'est de jouer les bûches. Squelette, mousquetaire. J'ai le cochon, je le sais. Mais les gars, je le sais. Est-ce que les gars, je suis pas dans sa tête? Est-ce que je suis pas dans sa tête? Par tout hasard. Et ouais, j'ai même plus de dégâts ici que vous le mettez un peu. Aïe aïe. Comment il défend ça? Il joue de sa part très très bien. De sa part. Bon. Ok, on va mettre un petit jeu, les fonds d'appui, c'est tellement. Bien joué de sa part, ma tête de malheureusement détruisant. On va le défendre. Non. Tiens, attends. Mais si. Il appuie. Chaque bûche et tout là. Attends, il me disrespecte là. Non, ça va plus là. Mais je vais cycler mon fût. Si je fais près chaque bûche. Oh, voilà. C'est ça qu'on veut. Évidemment. Évidemment, les gars, c'est ça qu'on veut voir. C'est un truc les gars, ne faites jamais ça, c'est très risqué. Ok, c'est... Ouais, je prends deux coups sur ça. Beaucoup parler, j'essaie de travailler pour me perdre la game, ça serait con de perdre la game quand même. Ça fait deux fois que je le pré-shot. Ça me fout droit.
Ok, parfait, panique. J'ai vraiment pas envie de prendre de coups. J'ai tellement bien fait. Et puis ces bûches là, ça va faire mal. Hein. Et voilà les gars, c'est donc ça le tryhard. En tout cas, j'espère que la vidéo était quand même vraiment bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était vrai coup. Ciao, ciao.